matin à toutes et tous. On se retrouve pour les dernières énergies de cette semaine, puisque moi je termine avec vous le vendredi. Nous sommes le vendredi 24 mai 2024 et j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors, petite philosophie du matin pour ce matin, cause et effet. Cause et effet. Ne pas perdre de vue que les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Si nos comportements ne changent pas, les résultats ne changeront pas non plus. Voilà, cause et effet. Eh bien, j'ai pigé aujourd'hui contraintes financières à l'envers. Non, 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 ce n'est pas une mauvaise carte, au contraire, c'est une belle carte. Cette carte à l'envers, elle annonce une rentrée d'argent, c'est-à-dire que vous n'êtes plus dans cette contrainte financière. Les restrictions qui étaient antérieures, passées, pardon, ne sont plus nécessaires et l'argent ainsi que d'autres choses abonderont dans votre vie. Vous allez peut-être recevoir une certaine somme d'argent. Et en ayant plus d'argent, eh bien, évidemment que vous allez constater que vous avez la liberté de prendre plus de risques et de dépenser sans être aussi prudent. Eh bien, cette abondance, elle est là. Elle commence à couler parce que jusque maintenant, vous avez fait beaucoup de restrictions au point de vue financier. Eh bien, maintenant, ça porte ses fruits. Mais attention, hein, ne soyez pas trop insouciant avec cet argent. Agissez toujours, eh bien, d'une manière réfléchie, que ce soit avec l'argent ou dans tous les aspects de votre vie. En tous les cas, oui, on ne peut pas dire que contrainte financière, c'est au point de vue de vos finances. Vous pouvez vous permettre, avec cette petite rentrée d'argent, à faire des choses, mais ne soyez pas trop gourmand, hein. Ayez un juste milieu, parce que vous pourriez vous retrouver, eh bien, comme dans le passé. C'est une très belle carte pour terminer cette semaine et l'affirmation pour cette journée. Je peux traverser n'importe quel cycle avec dignité et conscience. Je suis ouvert à devenir plus riche. L'argent circule dans ma vie et tout le monde en profite. Et pour terminer avec le message de ton âme, faire confiance à la vie. La vie, c'est mieux que toi, ce qui est bon. Juste et équilibré pour toi. Alors, repense à chaque peine et à chaque moment difficile. Rappelle-toi, vraiment rappelle-toi la force, la joie et les émotions que t'ont procuré ces moments après coup. Faites confiance en la vie. Mais oui, faites confiance à votre pouvoir. Faites-vous confiance. C'est tellement, tellement important. Vous allez attirer à vous le positif, l'abondance. Visualisez que votre porte-monnaie est plein de monnaie, est plein de billets, comme si c'était déjà là. Visualisez tout ça. Et l'abondance, elle suivra. Eh bien, voilà, on termine cette semaine. Je trouve que c'était une assez belle semaine avec les tirages et avec les archanges, les chakras. Moi, je vais vous souhaiter une excellente journée et un très, 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 très beau week-end. Soyez dans la bienveillance, dans l'empathie, la joie, le rire, c'est important aussi, hein. Être souriant,
ne pas faire une tête jusque par terre, avoir le sourire, vous attirez à vous des personnes souriantes aussi. Donc, un beau week-end dans cette joie de vivre, même si c'est difficile, mais dites-vous que rien n'est arrivé à vous par hasard. C'est que vous devez apprendre quelque chose et soyez ouverts, prenez pour travailler sur vous et puis laissez partir, n'est-ce pas? Voilà. En tous les cas, soyez dans cette belle joie et cette reconnaissance à la vie, n'est-ce pas? Et prenez soin de vous, prenez soin de ceux qui vous entourent, de ceux que vous aimez. Et puis, moi, je vous embrasse tout fort et puis je vous dis, on se retrouve dans une prochaine capsule et je vous dis à très vite.